Ouais, c'est bon, c'est parti, j'ai lancé à l'instant. Bon match. Bon match. Pète lui la gueule. Allez, c'est parti. Je vais essayer de commenter mon propre match face à Zargat. Allez, je prends mon petit personnage du coup. C'est parti. Allez, on est en mode streamer Twitch. Bon, c'est le CDV aujourd'hui, donc je ne même pas. Nous, pour l'instant, on dose 2 hits. Donc là, la stratégie, c'est simple, c'est charger la barre, attendre la barre de Zargat. Oui, voilà, là-dessus. Maintenant, je peux bien. C'est devant, c'est bien gardé. C'est pas gardé, c'est vraiment... Et là c'est multiple, là c'est derrière. On met un HP tout de suite. Et là le dragon, on va pouvoir s'en sortir. Ça arrive, je vais super ça sur cette racine, sur moi. Et ça c'est un très bon réflexe Zagiesque, mais heureusement la chape est là. Là c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et là il sait que je vais venir, il sait que je vais venir en Superman Punch. Et non, je viens sur une petite roulade. Au corps à corps. Un petit bout de chat pour l'emporter sur ce premier rang. Le deuxième, une deuxième rang. Voilà, on va faire deux pas en arrière, roulade, ça va pas le faire du tout, le stun, attention le stun chez moi. Oh, j'ai pas voulu comme ça, par contre là c'est bon, ça c'est punition, là c'est devant, c'est bien entière, les Zargat, la chope bien canotée, et on repense, on essaie de choper, ça passe pas. Ça passe pas. Fais pas de choper comme ça. Il y a des moyens hein, quand même de renverser la situation et de prendre le premier point comme Zargat. Allez, la chope est là. Charge pas bonne de mon côté pour m'envoler. L'entière est bon avec le phare HK. Oh là là, il n'y a pas de combo, il n'y a pas de combo ici. Petit omiti. Ah, j'ai pourtant j'ai pu faire un petit putain de combo vidéo. Oh là là, j'ai pas osé venir. Et la chope, attention. Et le Banquin. Putain de Banquin qui passe. On s'arrête, c'est un très bon outil dans le match-up auto à distance comme ça. J'ai un peu du mal à gérer ce BMK, il faut accepter de mettre la garde. Il faut accepter de mettre la garde et de dire que c'est fort la garde. C'est fort, ça fait gagner. On n'est pas sur Vampire à bourrer les boutons pour faire du technique H24. On peut se concentrer sur le corps à corps. Allez, par contre ça c'est bien, tu fais un terme de match à la roulée, à la relique. Moi je commence à diminuer les phares HP. Forcément ça met la boule. Allez, viens pas me chercher. Oh, je suis trop mytho. Oh le stop. Évidemment. Ça ne passe pas. On va revenir, là il y a balles de match pour Zargat. C'est quoi, je vais essayer de temporiser après les deux HP, voir s'il revient. Comme dans le round précédent. Mitty, oh, il a bien jugé, il a très bien jugé le timing, il a rien mis, il a pas mis de tel chaud. Par contre c'est chop ça. Là, c'est bizarre, c'était complètement bizarre, c'était une chop. La chop n'a pas chopé, elle a fait far close MP pardon. Allez, ça c'est pas touché, dommage. Ah ça c'était la super. Et encore une fois, je connais ce timing des arcades. Je sais, il fait tout le temps ça, il aime bien faire ses mêmes breakers. Ça passera pas, par mettre une furie de la folie et ça passera. Bien joué les arcades. Ah, mais ça m'a commenté en même temps, c'est fort. Ouais, mais c'est... Non, mais tu réfléchis pas pareil. Tu réfléchis pas pareil. C'est intéressant que tu réfléchis pas pareil. Il y a un côté. T'as vu ? Ah, tu je pensais pas que tu m'entendais. Bon, ah, d'accord. C'est vrai que ça doit faire un peu autiste de voir un mec qui commente son propre match. C'est dégueu, en fait. J'ai raté la fin. Le premier match. Round one, fight!
40 à faire les dragons. Non, on n'arrive pas à faire les dragons. Chiche. Allez. J'avais gagné. C'est rigolo. Thank you.
À 19h, ça va faire chaud, il reste une heure. Hein. Et il y a plein de matchs à faire encore à 3 points. Il reste combien de matchs à faire? Il reste 4 matchs. Non, mais parce que là, fais déjà la finale winner. Et comme ça, on gagne un match. Il faut choper Dao. Mais il a fini, là. Dao, il était à 15. Il a fait déjà un point de match, c'est ça, on s'en fout. Alors, Kazem, il a pas fait de nouvelles choses.
Plus ça s'appelle dans une finale de tour. Il joue évidemment son personnage principal et pour le moment il pressurise la chaîne d'envoi et finit par lui gratter tout ce qu'elle a vu par le lui. Premier round pour Kazel et pour Diallo. Maintenant, il va pouvoir jouer le cross-up ambigu et effectivement, le coup était, je ne sais pas, devant ou derrière, je ne sais pas si c'était devant, je ne sais pas si c'était derrière. Il nous en dira plus tard, il se rediffusera ce match sur sa chaîne. Évidemment, le stream a fini par le coup. Il y a quelques jours qu'on aurait pu. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Là, sur les internets. Et maintenant, c'est parti. Je vais l'échange face à la quantité de. Oh là là, il se fait péter. La super par le dragon. Le machine va être raté, qui pas combo. La Zen qui va risquer de s'en vouloir sur cette fin de match. Eh bien, c'est un bloc stream, et tout un bloc stream, effectivement, et c'est Farashka. Le R2R pour la chaîne qui revient maintenant dans le match, elle a l'avantage, sa quête a l'avantage et la chope. 3 points d'avance sur son adversaire et la chope. Le mec ne met même pas la garde. Il marche dessus là, il est en train de se faire un petit c'est fantastique. César le gars dessus, par contre il se remet trop seul dans le coin, il s'affiche avec ce fameux pressing. Le slasher, ça s'échange des boules, c'est le petit échange de politesse de dragon qui est là. Le deuxième dragon pour presser. Attention, le pressing maintenant, encore une fois le dragon, il n'a pas pu faire de devant-devant. Ça va pas tuer, ça va pas tuer. Et maintenant Zarkat, c'est là qu'il est plus fort. C'est là que Zarkat calme ce match, c'est quand il est 0-0 face à un adversaire, on est un winner. Qu'importe. C'est parti, le pressing. Oh oui, la super. On l'a tellement vu passer à travers cette super, mais non, Air Slasher Land, ça permet à Kazel d'avoir une balle de grande finale face à Zargat. Avec sa charge de la lumière, la super de Zargat. C'est super, mais c'est tellement anecdotique pour ce personnage d'avoir sa super. Par contre, du côté de notre quand t'as la super, ça devient un personnage totalement en barre à et la super dans la super. Zargat qui égalise un partout entre Kazel et Zargat. Tout est à refaire pour le DJ. Alors qu'il avait sa balle de match. Allez, prends le tonk. Non. Ils sont plus longues. Ils sont plus longues de malade. Allez, encouragé par l'assistant. Il va tout donner maintenant, Kazel va remettre en place son jeu de boule efficace. Les bonnes lectures pour sauter au-dessus des petits campions avec le slash car de Didier, un des meilleurs moves du jeu pour sauter. Ah, là, c'est dommage l'ouverture sur la screen, il y a quelque chose à faire, il a touché assez bas, il n'a pas osé tomber quoi que ce soit derrière. Il a l'avantage d'énergie, il va retirer tout d'un point et il se fait choper, il a déchoppé là du côté de Kazel. Les réflexes sont bons, attention au pressing. Oh, les deux points d'avance chimie. Il regarde son adversaire, il joue l'adversaire et il redécale la tête comme le décalage du shop. Ça regarde le match. Parce que Kazel va aller en douceur. Il est temps de faire quelque chose, Kazel. Il est comme ça. Il n'est pas bon du tout là-dedans, Kazel. Il va peut-être se ressaisir. À moins que l'écrasante domination germanique reprenne vraiment, indubitablement, la direction de la victoire. Il se fait pousser. Attention, la super, elle est bien. Regardez, là tu peux plus bouger, tu peux plus rien faire. Il y a un mur de briquet. Laisse les arcades. Tu veux commenter? Non. Je peux, si tu veux. Si tu veux commenter. Ouais, c'est qui? Ah, c'est quoi? C'est Kazel contre toi. Allez, envoyez le deuxième de la famille. Ouais, bouton reset, il est au centre. Tu saches, maintenant tu saches. Allez, c'est parti, The Lord, la ville lyonnaise, contre Kazel, le verbe ou quoi, je dis en gros, avec son portier, l'éternel, Crystal Roll, Tony, Eastland, pour l'instant, un peu plus.
voilà, c'est le parti de sur les folies habituelles. Bon Lyonnais. Allez voilà, c'est la chope avec une super chargée, éclair. Cadet ne l'a peut-être pas vu venir, c'était chaud, attention, là il se fait gratter un peu. Il est au coin, il va mourir sur une glissade. Premier round assez net côté Lyonnais là. Donc le Cadet se réveille. Oui, on peut correct là-dessus. Il a fait la voiture sur le chat de l'air, il a tourné là-bas, il a tourné là-bas, il a tourné là-bas. La glissade qui vient faire du coup avec le Superman, ça c'est très très bon. Gazelle là s'envole bien, bien Victor prochaine. Attention là par contre, il va falloir mettre la garde correctement, même pas, pas besoin de mettre la garde. Très bien joué ça. Ça passe un partout. Là malheureusement il va partir peut-être dans un loop très très bon là, il a utilisé la version light du putain du démon de ce coup, c'était une tag knife, il va s'en sortir. Putain. Il est pressé dans le coin, voilà, dans un de la vie, attention c'est le métier, il a fini là-dessus, ouah ça touche derrière. GG attention, Dimorph ne s'est pas laissé prendre, assez stable Fury et un saut neutral HK, il vient de terminer avec la barre de Jim Kazen, 1-0 pour Dimorph. Après que le Jackknife soit sorti, il y a peut-être moyen d'attraper IJ. Ah non, on vit tellement bon là dans le match Kazel, il y a un partout maintenant. Allez, c'est le dernier match. Man Punch, c'est une balle aussi quand même de prendre quelques dégâts en garde hein, et de Blink Barcelona. Oh là là, ça c'est un peu plus pour Kazel. Oh là là, il balance la super peut-être par des coups, je ne sais pas. Et voilà, la touche arrive à l'ouverture très 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 fort. Après, la partie senior de la part de Zibor qui s'offre une balle de match. Voilà, on joue un peu moins de haut, du coup, ça peut choper immédiatement par Kazel. Là, il y a une grande distance dans le coin, ça dépend de lui. Bah non, c'est pas grave, allez, il faut faire ce que je va projeter Kazel au sol. Petit avantage à la chute pour Kazel très délicatement saute littéralement dedans. Il met des glissades peut-être qu'il n'a pas le temps. Et attention, c'est super, c'est bien frais, c'est très dangereux. Mais Kazel aussi de son côté là, il a tenté excellent un cristal roll midi au cas où Kazel aurait eu envie de piffer la super. Et évidemment, Kazel se n'a pas laissé prendre là-dessus. Quoi ? La cristal roll qui casse la super, mais que se passe-t-il ? Et Zimorph qui lève les bras au ciel. Public, si tu me regardes, ok, bah bien joué Easy Mord. Qui en finit avec Kazel. Kazel qui termine du coup à la troisième place du coup. Easy Mord qui s'envole pour une finale. Trois argates. Merci Côte. Easy Mord qui va devoir remporter deux rencontres pour remporter contre Trois argates. Entre les deux joueurs, on sait jamais ce qui va se passer. C'est comme la boîte de chocolat. Chocoline. Voir ce que ce ranking va nous proposer. Chocoline. Pour l'instant, c'est la grille sur l'accident de mon patte naturelle qui reste avec son perso du cœur. Et notre ami Zargat, l'allemand, qui se concentre. Et part évidemment avec sa chenille. C'est parti, mesdames et messieurs.
match à la grande finale. Let's go. Prête à l'avantage de la barre visiblement pour une bonne entame de jeu. Les Argates qui n'a pas l'avantage de la ligne de va falloir alléger un peu, pêcher les dégâts sur visiblement, mais qui reste solide dans visiblement, ils s'en foutent totalement. Il a l'avantage de la ligne du coup. Il risque assez modéré, bah voilà, il y a toujours une petite équipe de Zargat. Tout va bien dans le monde d'Izimorn et de sa griffe. Il n'y a rien qui est passé, Jean. Parfait. Zargat a eu 5% de réussite sur l'intégralité de ses mécaniques de défense. Izimorn s'en débarrasse avec, avec calme et volupté. Oh, magnifique ça, c'est entier. Voilà, le close adcar qui sort en 95 frames. Mais c'est pas grave, Zargat qui rate le combo, tant pis. Il n'y aura pas Chantico qui aurait pu vraiment entamer davantage la barre de vie. C'est dégueulasse, c'est failli Barcelona Loop. Ah, c'est pas vrai qu'elle a fait. On manquait de respect totalement à Zargat, mais Zargat ne s'y est pas laissé prendre, car c'est comme s'il connaît en respect. Et c'est lui qui va attraper Izimorn pour le balancer sur le sable chaud du Mexique. Oh là là, je parle, et finalement Izimorn est en train de complètement revenir le match avec un froid hydraté. Malheureusement, on aurait dû interdire la barre de vie de Chemin, mais c'est pas grave. Une petite chaleur qui revient au rendu valeur. Et c'est le premier match pris par Izimorn qui se rapproche de la victoire à grands pas. Non! Wow. Non! C'est pas. Non! J'ai perdu! Quoi? J'ai perdu! Il faudra en plus, je crois que j'ai perdu. Non, Zargat counter pick main versus tiroir, c'est magnifique! Donc Zargat qui est en rouge sur votre écran contre Izimorn qui fly Barcelona Loop et qui va peut-être montrer à Zargat qu'il n'y a qu'une seule griffe à Lyon. Oh là là, c'est n'importe quoi ce qui se passe, le match va tellement vite, c'est impossible à commenter, je ne comprends plus rien. Au secours, rendez-moi mon cerveau, ils m'ont volé mon cerveau. Oh alors là, il y a Izimorn dans le coin là, ouais, c'est, ça va juste être pas possible de sortir de là. Zargat l'apprend et c'est avec amertume qu'il va perdre ce match et offrir ce round, pardon, et offrir une balle de match à Izimorn. Oh là là, le stun qui arrive au bout de 3 hits comme ça, mais que se passe-t-il? Izimorn comme un poisson dans l'eau avec un loup-trap trop piquant. Zargat va-t-il regretter son choix? Je crois que c'est déjà le cas. Il faut qu'il reste solide là pour essayer, voilà, de carotte les mécaniques de défense de notre ami Izimorn. Izimorn quand même là qui se retrouve dans un loop un peu dégueulasse. Est-ce que Zargat va nous faire un comeback? Je ne sais pas. Oh là là, il a deux doigts de mourir. Et c'est ainsi que le flow de Zargat viendra décéder à ce ranking 904. GG. Reset. Quoi? Est-ce que c'était en finale? Je crois que t'étais en... Moi j'étais en loser. T'étais en loser? Ah mais merde! Putain, j'ai dit l'inverse, ok. C'est pas grave, c'était Zargat, désolé. Eh bien, ce n'est pas terminé. Fini les conneries! On enchaîne, allez, mais c'est pour ça bien sûr que Zargat s'est arrivé à jouer son jeu. J'aurais dû être plus lucide. Allez, on repart avec les vrais persos, c'est reparti. Bien joué la chope en l'air. Zargat semble-t-il a poussé le pignon, il en a plus rien à branler. Voilà, il en pousse plus, il fait les immeubles. Oh là 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 là! Lord, que se passe-t-il? C'est un perfect! Tout s'est passé si vite! Bien joué à Zargat, hein, qui montre qu'il n'a pas dit son dernier mot. Il est encore là, le joueur allemand. Vous voyez ça aussi, c'est l'utilisation de l'hélicoptère pour sortir du pressing à Barcelona. Bon, ouais, bah, c'est pas grave, il prend un bas élevé, hein. Finalement, c'est pas si terrible que ça. Et là, bon, François qui a continué un coup, il va faire la griffe Orly en l'air pour faire double touche avec la défenseur de Zargat. Et revient dans le match. Il y a un round de partout. Attention ici, voilà. Là c'était invisible. François s'est arrêté juste devant en ouvrant la griffe. Il a mis les aérofreins pour tomber devant Zargat qui est en très mauvaise posture là dans ce round. Il se retrouve dans le coin. Voilà. Là l'entière, c'est le moment maintenant de stapler. Oh, et c'est un. Oh, c'est la ligne. Mais ça a enlevé combien de points? Il pas raté là. Elle est où ma barre? Ah non, non, là ta barre, elle est où ma barre? Mais c'est bien fait pour ta gueule, tu joues à faire son merde de toute façon. Ok, on a. Merde, je sais même plus, putain, je sais même plus où on en est, je suis complètement fixé à mon curé là. Je crois qu'il y a un partout, on fait comme ça. 1-0 pour Zargat. Non, 1-0, pardon, autant pour moi, dans ce reset. Très bien. Allez, dimanche, va-t-il réussir à détrôner Zargat? Ça paraît bien parti sur ce round là, voilà, il y a un impeccable de la part de Zargat sur ce Barcelona qui est trop évident là en termes de sa victoire. Attention pour Zargat. Oh là là, il a pas réussi à choper là-dessus, là, il a été stoppé par un stand entière. Allez, attention, ça maintenant c'est dangereux. Oh là là, il a tout en fait. Encore mais c'est terrible. Oh, on aura un peu une occasion d'utiliser sa super. Et là, cette fois-ci, c'est une bête de match contre lui.
Allez, ici, on se met des claques sur les genoux comme un ami québécois, enfin désormais québécois maintenant, on se réveille. Il est temps de lutter contre le système allemand et de tuer cette chenille qui parvient finalement toujours à ses fins, c'est un qui toujours dans le sens, il réussit systématiquement à revenir dans les matchs, c'est quelqu'un de très dangereux pour moi, il faut se méfier. Et là, voilà, Thor est en train de faire un très très bon travail là-dessus, allez, toujours en grimpant, bon, il est systématiquement, ça va totalement fonctionner, va-t-il se faire en tir? Non, Jargas préfère mettre la garde, il sait très bien qu'il pourrait se faire baiser là-dessus, et c'est un Scarlet Terror qui va en finir avec la barre. Voilà, c'est peut-être totalement là de stabilité, je crois, c'est le mouvement probablement. Oh, il a fait tuer avec le... Bien joué, on va voler cette tour encore, voilà, on va essayer de pas prendre, il va mettre un petit Scarlet Terror, il va se faire choper à nouveau. Bien joué, le coup de talon de la part de Zargat, il a écarté totalement de Scarlet. Visiblement, elle a fait... Putain, et c'est Zargat qui l'emporte sur ses 1000 pieds, bravo à lui, et il remporte le ranking 904 sur 2X, félicitations. Ah, à lui. Glissade est en retard, allez, moi je... What? Au terme des bords, je...